Jolis oiseaux, on va le gracieux. Regarde, regarde, regarde. Jolis oiseaux, vaisseau des cieux. Véronica. Alors, on se voit quand? Jeudi prochain, près du quai. Écoute, jeudi, c'est trop loin. En ce moment, je suis plongé dans le travail jusqu'au bout. Alors, hein? D'accord. Sois à l'heure. Oui, oui. Véronica.
fait tourner la tête à la petite? C'est de l'orage. Ils sont amoureux. Et l'amour, ma chérie, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Tiens, grand-mère, pourquoi tu n'es pas couchée? Parce que c'est l'heure de se lever, mon petit. Ah. T'en fais du bruit. C'est pareil toutes les nuits. Ne sois pas jalouse. Mauvais temps? Tais-toi, chut. J'y ai pas fait d'accro. Je trouve ça honteux. Il dort encore et il est midi passé. C'est parce qu'il travaille trop à l'usine, puisque c'est dimanche, laisse-le se reposer. Un genre de travail qui finira par un mariage. Et c'est toi qui seras mariée la dernière. Irina doit finir ses études. Le mariage viendra après. Mais dites donc, oncle Ophélia, vous allez vous faire dépasser. Elle sera bientôt docteur et sciences. Et vous ne serez toujours que médecin de quartier. Et si les enfants ne nous dépassaient pas, c'est que nous les aurions mal élevés. Et tu serais des imbéciles. Merci, maman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la radio, maman. L'émission de l'ensemble des émetteurs de l'Union soviétique. Boris! Boris, réveille-toi! Boris! La guerre est déclarée! La guerre! Et après? Bonsoir. Boris travaille très tard ce soir. Tu l'attendais, non? Je n'attends personne. Véronica. Tu sais, pendant la guerre, ce qu'il faut, c'est garder son sang-froid. Surtout, conserver le rythme normal de la vie. Écoute. Je vais te dédier mon concerto pour piano et orchestre. Tu viendras l'écouter? Mais toi, tu n'es pas mobilisable? Je pense pas. J'en sais rien. Il y a peu de chance. Tu peux me dire pourquoi? C'est parce qu'on ne voudra pas mobiliser les hommes qui représentent une valeur intellectuelle. Ah, tu as une valeur. Moi? Oui. Ça t'étonne? Pourquoi est-ce que tu me poursuis comme ça, Marc? Est-ce que tu n'as pas honte? Si, j'ai honte. Si tu savais, je me suis juré tant de fois. Tu vois, je sais que Boris est mon cousin. Il n'y a rien à faire, je n'ai plus rien. Ma parole, je te jure que je n'ai plus rien. Attends! Attends! Laisse-moi tranquille maintenant. Attention à vos pieds, là. Vous allez vous faire mal. Mon cher Boris Fyodorovitch, au front, vous en verrons d'autres. Vous n'irez pas sur le front, vous. Il y aura un seul exempté, ou moi, ou vous. Et c'est moi qui partirai, vous êtes le plus ancien. On aura besoin de vous. Oui, mais vous, vous avez beaucoup de talent. Il n'y a qu'à regarder vos derniers projets.
chaud. Ma femme m'a fabriqué un superbe sac à dos. Très pratique. Un sac à vous donner envie de partir, le fusil sur l'épaule. Le fusil sur l'épaule. Stéphane ! Hé, hey, Stéphane ! Venez, prenez ça. Tenez-moi. Stéphane! L'abri, voilà les choses importantes. Stéphane! Excuse-moi cette fois. Alors, feuille de route. Rien de neuf. C'est de se demander ce qu'il fabrique. Tu rentres? Non, pas encore. C'est le gars de la fin. Entendu? Alors, tu le lui as dit. On va pas d'en parler, puisque c'est pas vrai. C'est vrai, alors elle m'a laissé ça à toi. Lâche ça. Non, je la lâcherai pas. Tu vas tomber? Non. Allez, allez, laisse ça, il faut camoufler les lumières. Tu ne camoufleras rien du tout. Tu vas lâcher ou j'appelle la police? Je me moque de ta police, de la couverture. Tu vas tomber? Pas de danger. Tant pis. Ah, mon écureuil, arrête! Arrête, laisse-moi approcher ça. Toi, tu n'es pas venu au rendez-vous, mais c'est Marc qui est venu. Et alors? C'est les beaux garçons. Et alors? Tu n'es pas jaloux? Hein? Tu n'es pas jaloux? J'ai pas le temps. Dommage. Attends un peu que j'entre à l'Institut d'architecture. On n'y accepte pas des filles comme toi. Pourquoi pas? Parce que... Jolis oiseaux, vaisseaux, des yeux si grands, une robe claire. Jolis oiseaux, au vol gracieux de vos ailes légères. Ces vers te plaisent? Hein? Ils sont d'une grande profondeur. Petite grenouille qui croit que vous sautiez, vous promeniez, si vous aviez levé le nez, on ne vous aurait pas mangé. Mangez, mangez. Non, non. Voilà, tu m'as vaincu. C'est toi qui as gagné. Pas manger, pas manger, pas manger. Ah. Assez. Pas manger. Tu crois qu'on peut te mobiliser? Oui, bien sûr. Et ça te plairait? Bien sûr, ça me plairait. Non, tu ne partiras pas. Tu seras affecté quelque part et tu veux faire le crâne. Pourquoi te mettre dans la tête que je peux être affecté? Je le sais. Les gens qui ont quelque chose là-dedans vont pas au front. Alors d'après toi, seuls les imbéciles iront se battre. Laisse-moi, je ne veux plus discuter de ça avec toi. Véronica. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je n'écouterai rien. Et d'abord, je ne veux plus que tu m'appelles Véronica. Qui suis-je? Alors, qui suis-je? Tu es mon écureuil. Voilà. Écoute. Quel cadeau me feras-tu demain? C'est un secret. Si c'est une chose qui se mange, je l'avalerai tout de suite et très vite, je l'oublierai. Je préfère un cadeau qui peut se garder et qui me restera longtemps comme un souvenir. Quand je serai vieille, embrasse-moi. Tu sais, quand tu es avec moi, j'ai jamais peur. Même la guerre ne me fait pas peur. J'ai peur que ta police, c'est tout. Véronica. Quoi? Tu sais? Non. Pour notre mariage, je me ferais faire une robe avec des dentelles blanches. Comme celle de grand-mère. Un voile. Long, très long. Et toi, tu auras un bel habit. Et après, tu m'emmèneras. À la mairie. D'accord? D'accord. Tu sais, j'aime assez ton camouflage. Tiens, pourquoi ça? Bonjour. Stéphane! Stéphane! Véronica! Je vais vous offrir quelque chose. Oui, vas-y. Quoi donc? C'est un secret. Mais dis-moi quoi? C'est arrivé? C'est arrivé. Alors pourquoi tu dis rien? Raconte! Faut y aller. Allez, parle. Voilà. Ah, vas-y. Ça se remue à l'usine. Les gars vont chez le coiffeur se faire tondre. Et je suis venu tout de suite pour te dire. Après, minute. Comme je te le disais, tout le monde s'agite. Et on fait la queue tu pour pourrais passer pas la brancher, non? Je viens de voir tes parents. Ils s'inquiètent. Ils ont dit que. Bon, alors c'est pour quand le départ? Ce soir, on part à 5 heures. Avec le pardon complet. Regardez. Si vite que ça. Je vous ai préparé des cerises. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont magnifiques. La feuille de route est arrivée. Hein, quoi? Tu pars? Oui, moi aussi. On part comme volontaire.
mois alors. Un mois. Qu'est-ce que je deviens? Stéphane, il faut que je m'en aille. Je dois passer chez moi. À tout à l'heure. Stéphane. Véronique. Je ne voulais pas te le dire. C'est demain ton anniversaire. Voilà. Faut que je te quitte. Tu t'en vas. Maureen! Qu'est-ce qu'il y a? Souviens-toi. Jolis oiseaux, vaisseau des cieux. Tu te souviens? Je t'assure qu'il n'arrivera rien. Tu entends? Après, on pourra vivre très longtemps. 100 ans. Attends. On aura encore bien le temps de se dire adieu. Tu as raison. Pas de temps. Sois pas en retard. Et s'il ne partait que demain, ce serait trop tard. Je trouverais Voltan qui passe cette heure-là chez Véronique. Boris! Boris! Père a téléphoné? Eh oui, il s'est fâché, il est furieux. Tu aurais tout de même pu nous avertir. Eh bien, justement, je ne voulais pas d'explication. Demain, tu vas aller à l'usine. Et tu demanderas à voir Kouzmin, c'est l'ingénieur, n'oublie pas. Compte sur moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais chercher du vin, ça ne sera pas long. Grand-mère, vous pouvez me rendre un petit service? Un tout petit service. Tu vas aller au front? Probablement. Qu'est-ce que c'est? C'est son anniversaire. Et puis, si vous croyez qu'elle souffre trop, on ne sait jamais, c'est la guerre. Eh bien, vous pourrez l'aider. Et si je mourais? Vous n'avez pas le droit de mourir. Surtout pas à présent que vous êtes au courant de tant de secrets. Oui, mais je vais mourir, c'est sûr. Allons. Non, c'est Irina. Dieu soit loué, te voilà. Maurice! Oui? Viens ici. Alors quoi? Tu as 25 ans, t'es plus un enfant, mais à mon humble avis, tu es complètement idiot. Ça t'amuse, hein, de jouer à cache-cache. Imbécile. Il se prendrait pour un héros. Quelle inconscience. Où sont Irina et Marc? Irina a fait du café. Marc vient de descendre. Il est parti chercher du vin. Et voilà, du café et du vin rouge, hein. Quel signe de dégénérescence. Irina! Oui? Apporte-nous la bouteille. Boris! Oui. Approche-toi donc! Où est Véronica? Elle ne va pas tarder. Mais où est-elle? À l'affaire. Comment ça, affaire? Elle devrait être avec nous, non? Son fiancé va s'en aller. Je suis pas fiancé. Quoi? On se voit, c'est tout.
Comment ça, on se voit? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, papa, c'est pas comme tu pourrais croire. Et alors quoi? À quoi bon se disputer? Allons, laisse-le tranquille, voyons, tu vas pas te mettre en colère. Voilà, voilà ta bouteille. Ah, tu vas nous mélanger ça comme il faut. Voilà le Porto. Ah, tu peux le boire tout seul, ton Porto. Nous, nous avons un liquide qui a d'autres qualités. Tout le monde est là? Bon. Asseyons-nous. C'est Véronica. Va recevoir ta fiancée. Quoi que tu dises. Ah, enfin. Pour Boris Fyodorovitch, c'est l'usine. Mais entrez, mademoiselle. J'ai cru que la fiancée avait enfin fait son entrée. Boris Fyodorovitch, c'est l'usine qui nous envoie. En nous priant de vous remettre ces cadeaux. Oh, excusez. Voilà le vôtre. Merci. Et puis, on nous a chargé de vous transmettre au nom du comité... Et des Komsomols de l'usine de... dire bon, camarade Brozine, combattez jusqu'à la limite de vos forces. Battez les maudits envahisseurs fascistes. Cependant, que nous, à l'usine, ferons notre possible pour exécuter et même dépasser... C'est inutile, nous savons tout ça par cœur. Asseyez-vous, les enfants, qu'on boive une goutte à la santé de mon fils. Voilà. La vie sur cette vieille terre, on est encore à un stade d'organisation. Tout ne marche pas comme on le voudrait. Voilà. Toi, tu t'en vas. Tu pars en guerre, Boris. Allons, les amis, buvons. À la tienne. Eh, grand-mère, grand-mère. Merci. Nous avons accompagné mon frère hier, et maman a pleuré. Et vous? Moi aussi. Pour le comité ou pour votre compte? Oh, pour mon compte, bien sûr. Oh, tu es timide. Vous savez, chez nous, il n'y a personne qui s'en aille. Trois sœurs et maman. C'est assez gênant, même. Chacun a quelqu'un qui s'en va. Et quand les nôtres reviendront, vous nous envierez davantage. Ce qu'il y a de plus terrible, c'est que tous ne reviendront pas. Ceux qui vont y rester ont droit à un monument à leur mémoire. Avec leur nom gravé en lettres d'or. Marina, va faire savoir, qu'est-ce que tu attends? Moi, je vais ranger. Et vous, ceux de l'arrière, travaillez dur. Dépassez les plans qui ont été établis. Pensez à ce que je vous ai dit, grand-mère. Marc, reste. Reste avec le père. T'accompagne au tram. Alors? À gauche. Gauche. Alors, marche. Et hop, 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 hop. Maman. C'est la dernière fois que je le vois. Mais non. Tu n'as pas faim? Où vas-tu? Prendre mon service. Tu étais déjà de service hier. Barbara Kapitovna,
Il faut que je voie Boris. Il est descendu. Il est parti. Parti? Où ça? Il est allé au point de rassemblement. Quoi? Mais venez donc dans sa chambre, venez. Et où se trouve le point de rassemblement? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? C'est de Boris, pour votre anniversaire. Il y a une petite lettre. Où est la petite lettre? Quoi, elle n'est pas là? Non. Oh, elle est peut-être tombée. Mais il a oublié, il est parti si vite. Oublié? N'ayez pas peur, il vous écrira. Ah, te voilà. Rassemblement, où est-ce? Devant l'école, rue de Venigoroskaya. Allons, calme. Elle va venir. Si elle vient, comment veux-tu qu'elle me retrouve ici? Thank you.
cette guerre. Et pourtant, il faut continuer à vivre. Tu as décidé où tu travailleras? Je vais aller à l'usine d'armement. Attention, attention. Alerte aérienne. Descends dans le métro, dépêche-toi. Je reste là, j'ai encore du travail. Allez, toi, prends tes affaires. Où est le sac à dos? Le sac à dos? Tiens, il est là, sur le buffet. Je ne pars pas sans vous. Si ça devenait trop dangereux, nous irions nous mettre à l'abri. Alors, ma fille, dépêche-toi, ne perds pas de temps. Va. Et attention dans le métro. Elle a si peur, la pauvre petite. Et toi? Quand notre fille est à l'abri et que je suis à côté de toi, je n'ai peur de rien du tout. Est-ce qu'ils ne s'arrêteront pas? Quel boucan alors? On ne peut plus s'entendre. Mais pourquoi ne m'écrit-il pas? Vous savez, c'est la guerre. La poste fonctionne très mal. On peut partir. C'est à la même maison. Pour entrer à l'usine, si vous vous décidez, vous n'aurez qu'à m'appeler directement au bureau. Entendu. Alors, au revoir. Si tu veux, tu habiteras avec nous. Pour toujours. Le lit de Boris est libre maintenant. Marc peut rester avec Fedia, toi avec Irina. Hein? Marc. Il va falloir s'occuper. Moi, je peux malheureusement rien. Tous les deux avec Irina, on est nuit et jour à l'hôpital. Je ferai tout ce que je pourrai. Boris, on avait parlé. Bon. Ça va mieux, petite? Allô, l'usine? Passez-moi, cousine. Lui aussi est au front?
Pardon, avez-vous des nouvelles de Boris Fyodorovitch Borosdin? J'aurais joué ça pour toi à la salle Tchaïkovski. C'était pour toi. Véronique. Allons dans le métro. Non, je reste. Tu dis des bêtises, allez, viens. Tu as peur. Oui, pour toi. Non, je reste, je n'ai pas peur. Descendons dans le métro. Je t'en prie, est-ce que tu veux m'écouter? Je n'ai pas la chance de dire dans le métro, je n'irai pas, je n'irai pas.
encerclés comme des idiots. Ah, allons, Stéphane, à quoi ça sert de râler? Tu m'en empêcheras. Allez, allez, viens, viens, viens. Le capitaine a dit qu'on rejoindrait les nôtres cette nuit. C'est pas tout. Hé, hey, Tachkov. Oui. Tu sais d'où ils sortent, ces bleus? Oui, ils sortent d'une couveuse. C'est bien ça, les rentrants mortels. Enfin, on va rejoindre les nôtres. Il n'y a plus à se faire de vie. On est loin d'être des bleus. Je suis même marié, déjà. Et longtemps, petit? Je n'avais pas encore passé le baccalauréat. Hé, hey, voilà où ça mène, l'instruction. Eh ben, dis donc, ils sont gays, les copains, ils rigolent. Je crois qu'ils se sont laissés encercler pour faire une blague. Hé, hey, Volodka, tu t'es pas marié? Ça, ils sont cranés. Rosine. Oui. Partez devant en patrouille. Tâtez-moi le terrain pour trouver un passage facile. Donnez-moi vos papiers. D'accord. Et Sachkov? Oui. Tiens, prends ma place. Allez, les gars, on va faire la pause. On va en griller une. Elle rit comme ça tout le temps. Elle pense peut-être qu'on est mort. Alors, allez voir cette beauté? Eh oui. Voilà bien le sort du soldat. Toi, ici, tu la serres sur ton cœur pendant qu'elle... Quoi, elle? Tu voudrais pas me passer ton harmonica un instant? Tiens, prends le doigt. Vous n'avez pas honte? Non. Je vous flanque 5 jours d'arrêt. À vos ordres. Et vous allez partir en patrouille avec lui. Quoi? Donnez-moi vos papiers. Boris, tiens. C'est à cause d'elle? Oui. Elle en vaut la peine. Elle est chouette, hein? Allez, ça suffit maintenant, vous m'entendez? La discipline. Oui, vieux. La discipline. Stéphane, tu me la gardes. Et j'y tiens, tu sais. On va se marier, Véronica et moi. Dire que j'oubliais qu'il me restait encore du saucisson. Je vais le chercher. Moi, oui, oui, on sait que je t'ai pas, t'en fais pas, mais plus tard. Hey, tu vois, ça va tout seul. Allez, tu tiens le coup. Oh. Tiens bon, hein, tiens bon. On arrive au bois. Une fois qu'on sera là-bas, on est sauvés. Thank you.
va se reposer un instant. C'est tranquille ici. Alors, tu tiens le coup? J'ai de la peine à respirer. À respirer? Alors, on dansera et on va faire la brague à ton mariage. Boris, tu es touché. Tu es blessé. Blessé, non. Je suis... Le service d'information communique. Rien à signaler sur l'ensemble du groupe. On réchauffe fume. Pardon. Va, t'auras le temps de rêver. Mais attends que la guerre soit finie. Oui. Où allez-vous? Je pars pour l'hôpital. Je suis de service.
La voilà qui repart. Laisse-la donc, pauvre petite. Tu sais bien que c'est là où elle guette le courrier. Qu'est-ce qu'elle attend? Son homme n'est pas sur le front. C'est pas comme nous, femmes de soldats. Elle n'attend rien de personne, d'après moi. Vous travaillez le soir, aujourd'hui? Oui. Il me sort plus de la tête. La voilà. Qui? La postière. Si je compte au moins jusqu'à 50, la postière aura sûrement une lettre pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Véronica, c'est stupide. 21, 22, 23. Arrêtez-vous! 34, 35, 36. Bonjour. Il n'y a rien pour vous. Pour vous. Lebedeva. Oui. De mon fils aîné. Poliokaitis? Non, rien. Et Yola? Du fils aîné qui est sur le front d'Ukraine. Je vais très bien. Je n'ai pas connu Boris Fyodorovitch, mais tout le monde dit que c'était un jeune homme extrêmement intelligent. C'était? On le porte disparu. Ça ne peut pas dire qu'il soit mort. Mais bien sûr, voyons. C'est parce que je me suis mal exprimée. Qu'est-ce qui ne va pas, Véronica? Je me sens mourir. Anna Mikhailovna. Ah, alors. Dites pas de choses pareilles. J'ai tout perdu. Mais vous avez la vie devant vous. Mais je ne tiens pas à la vie. À quoi ça sert? Il faut oublier le passé. L'oubli des choses est humain et naturel. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Je ne tiens pas à oublier. Il ne faudrait pas que vous soyez puni toute votre vie à cause d'une faute. Oh, si. Jusqu'à la fin. Vous qui êtes professeur d'histoire, une femme intelligente, savez-vous, si la vie a un sens... Si la vie a un sens, quelle question? Comment voulez-vous que je réponde à ça? Tiens, la prépamu? Non. J'ai une de ces faims. Tiens, on peut venir. Soyez aimable avec lui. Il me répugne. Moi aussi, je ne peux pas le sentir, mais que veux-tu que j'y fasse? Il est mon supérieur, je dois le subir. C'est pour ça que tu t'aplatis devant lui, de cette façon. Ma chère Véronica, qu'est-ce que tu as? Il ne faut pas être aussi nerveuse, surexcitée. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Si seulement tu avais pu ne jamais exister. Oui, oui, entrez. Entrez. Marc Alexandre. Entrez donc. Excusez-moi de venir. Pensez-vous, Nicolas Nikolaïch, nous sommes heureux de vous voir. Débarrassez-vous. Bon, merci. L'ennemi est au Caucase. Vous avez déjà lu ça? Oui, un cauchemar. Aïe, 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 aïe. Ils n'emporteront pas en paradis. Vous verrez. Approchez-vous. Venez vous chauffer ici. Il fait bon. Merci. C'est chaud ici. Les miens ont été évacués à Tashkent. Je vis en vagabond. Bonjour, Véronica Alexievna. Bonjour. Où vas-tu, chérie? À l'hôpital, prendre mon service. Couvre-toi bien, il fait froid.
J'ai beaucoup d'admiration pour votre femme, cher Marc Alexandrovitch. Elle est si spontanée, si franche. Il est certain qu'avec vous, elle a trouvé le bonheur. Mm. Je vous avais cherché à la Philharmonie. Il y a un concert? Non. Vous viendrez pour la petite fête ce soir. Oui, sans doute. Et vous venez avec un cadeau. Que puis-je apporter? Eh oui, la guerre. Eh oui, toujours la guerre. Ce n'est pas très riche, bien sûr. Vous ajouterez une bricole, presque rien. Antonina Nikolaevna sera enchantée. C'est ravissant. C'est... Combien? Oh, peu de choses. On verra plus tard. Je vous remercie. Je voudrais vous demander un service en ami. Il n'y a personne là-haut. Non. Pourriez-vous vous procurer chez Fyodor Ivanitch certains médicaments? Bravo, Irina. Le voilà sauvé. Je l'espère aussi. Et si jamais il mourait, il me jouerait un tour de cochon. Ah, Irina, tu aurais pu être un homme, toi. Ça ne me déplaît pas d'être une fille. Véronica, tu viens avant l'heure, maintenant? J'ai une montre qui avance. Pauvre gosse, je la plains. Je lui pardonne pas ce qu'elle a fait à Boris. Allons. Encore un convoi qui nous arrive. Ils ne savent plus où nous loger, à ce qu'on dirait. N'en fais pas. Faudra qu'ils s'arrangent. Vous en prenez 80, pas plus. Et le restant, dans un autre hôpital. Alors, voilà. Vous vous saluerez bien. L'oncle Sergueï et Fyodor. Vassili. Tante Maria. Agrafienne. Katerine. Varvara. Nikolai. Mm-hmm. Katerina. Katerina encore? C'est une autre Katerina. Alors précisez au moins. Ça ne fait rien. Qu'il se débrouille. Ainsi que Zenaïda. Antanine. Kuzma. Infirmière! Que veux-tu, Vorobiov? Rien du tout. La fille de Sal. Il voudrait le bassin. Ben, je vais te le passer. Merci beaucoup. C'est joli. C'est bien joli, cette musique. Est-ce qu'on peut avoir la radio un peu plus fort? Cette musique. Bouge-toi les oreilles. Je vous dis d'arrêter la musique. Qui a crié? Qui a crié? C'est moi qui criais. C'est moi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce qui te prend, Zaharov? Attends. Le pauvre vieux. Il a reçu de mauvaises nouvelles ce matin. Sa fiancée l'a lâché. Elle s'est collée avec un autre, la salope. Il n'a rien avalé de la journée. Tant joueur de le calmer, essaye de le consoler. Ces salopes sont encore pires que les nazis. Elles frappent au cœur, les vaches. Il faut manger, Zakharov. Si vous ne mangez rien, vous ne pouvez pas guérir. Est-ce que je tiens à guérir? Moi, je veux pas guérir, je veux crever, oui! Je veux crever, je veux crever! Votre fille, Zakharov.
Où est-ce qu'on va nous emmener maintenant? C'est pas encore les hôpitaux qui manquent. Il va pas se taire, Major. Vous avez tort de le bousculer, c'est parce qu'il a reçu une lettre. Je le sais. Allons donc, tout ça n'est qu'un prétexte. Tout ça parce que sa fiancée l'a abandonné. Il devrait être heureux. Il s'aperçoit à temps qu'elle ne vaut pas un sou. Un beau gars comme lui, un héros. Elle préfère une espèce d'embusqué. Ça, c'est vrai. C'est elle qui perd tout son bonheur, c'est pas lui. Elle a ce qu'elle mérite. Elle était indigne. C'est vrai, il a raison. Tant pis pour elle. Elle n'a pas compris tous les tourments de la croix que vous supportez pour tous. Ces gars-là, il faudrait toutes les tuer. Ouais, tu t'es dressé face à ce qu'il y a de plus terrible, face à la mort. Tu l'as regardé dans les yeux en lui opposant ta poitrine. Et elle, elle n'a pas résisté à la petite épreuve de l'attente. Des filles comme celle-là ne valent pas grand-chose et elles méritent tout simplement notre dédain. Elles n'ont pas d'excuses. Et son pansement. Et refaites le cima. Et faites réchauffer son thé. Il est froid. On ne fait pas l'idiot. Véronique. Fais-tu si beau? Un concert à l'hôpital. Ouais, d'autres. Ça va, ça va. Marc Alexandrovitch est-il chez lui? Pour l'instant. Voilà, tenez. Je vous remercie infiniment. C'est l'anniversaire d'un petit enfant. Je vais lui faire un petit cadeau. Non, vous êtes vraiment un brave garçon, Marc Alexandrovitch.
pathologie de ces lésions combinées dépend du degré de plusieurs modifications constructives dans les ganglions et de la localisation de ces modifications. Intéressant, mais j'y comprends rien. Moi, je trouve que c'est très clair. Elles ne sont pas toujours décelées à temps voulu dans la pratique clinique et parfois n'attirent pas sur elles immédiatement l'attention. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux voir maman. Qu'est-ce que tu nous amènes là? Ce que j'amène? Un enfant qui a perdu sa maman, c'est pour ça que tu te fais. Tais-toi, allons, tais-toi. Tais-toi, allons. Tu devrais le conduire là où on recueille les enfants égarés. Emmène-le au centre. Non, j'irai pas au centre. Vas-y, toi, au centre. Mal élevé. Chez Antonia Monastirskaya. Qui est cette femme? Demande-le à Marc. Dis-le-moi. Ne me donne pas d'ordre. Marc va parfois chez cette... Tu as compris? C'est exprès que tu me dis ça, hein? Qu'est-ce qui te prend? Tu es jalouse. Parce que j'ai un mari. Un mari qui m'aime, tandis que toi, tu es restée vieille fille. Allons, allons, Véronica. Cette femme habite près du grand magasin d'alimentation. Il y a une petite maison à côté. Va voir toi-même. Allons, voyons, calmez-vous, calmez-vous. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Votre mari va bientôt rentrer. Attendez-le, vous vous expliquerez ici. Attendre. Une fois encore, attendre. C'est ce que je fais depuis toujours, toujours. C'est fini. Parce que je vous aime, Antonine.
j'ai goûté à toutes ces bonnes choses. Sauf à ces noisettes. Regardez, il y a un pied. Ce sont des vœux pour moi. C'est pour votre fête. Quoi? Pour ton anniversaire, accepte tous mes vœux. Ce jour-là, vois-tu, tu es né, tu es bon, mais... Mais que faire? Où est mon petit écureuil? Je t'en supplie, ne va pas croire. On y a trouvé une lettre d'un nommé Boris. Mon unique amour. Pour ton anniversaire, accepte ton effet. Ce jour-là, vois-tu, tu es né. Tu es venu. T'aimer très dur. Mais que faire, impossible d'agir autrement. C'est la guerre. Il le faut bien. On ne peut continuer à vivre comme autrefois et se réjouir lorsque la mort rôde sur notre terre. Nous serons heureux encore. Je t'aime. J'ai confiance en toi. Ton Boris. Voyons, pourquoi te mettre dans un tel état? C'est stupide, ne crois-tu pas? Allons. Qu'est-ce qui te prend? S'il vous plaît. Merci, docteur. Alors voilà. J'ai un ennui, il n'y a pas de voiture à la Philharmonie. Et j'en ai un besoin d'urgence. Vous êtes médecin-major, peut-être pourriez-vous me rendre ce service. Excusez-moi, mais cela me serait très difficile. Ah, mais ce que j'ai fait pour vous l'était aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Enfin, vous m'aviez chargé de le demander, je me suis mis en quatre. Qu'ai-je demandé? L'affectation. Spéciale. Le sursis touche à sa fin. Et en avoir un autre, je crois que ce sera pour ainsi dire, presque impossible. Quelle affectation spéciale? Pour Marc Alexandrovitch. Vous tracassez pas pour ça. J'en parlerai à personne, je serai discret, craignez rien. Mais Marc Alexandrovitch se serait-il moqué bel et bien de nous? Il a été jusqu'à nous proposer de l'argent de votre part. Absolument insensé, oncle Fédiard. Vous pourriez au moins la raisonner. Elle a fait un scandale. Elle s'est permis de me gifler devant tout le monde. Ferme la porte. C'est son sang, ses yeux, sa tête, son corps, sa vie. Et toi? Rien, n'est-ce pas? Rien du tout. J'ai une affectation spéciale. Quoi? Dis de quelle façon tu l'as obtenue.
Véronique, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je vais me trouver un autre coin. J'emmène Boris. C'est lui qui ferait aussi bien de se trouver un autre coin. C'est exactement ce que je voulais faire depuis longtemps. Ceux qui se croient capables de te juger ne sont certainement pas plus vertueux que tu l'es. Reste avec nous. Je pars. Je ne veux pas vivre à vos crochets indéfiniment. Je ne pourrai pas. Je t'en prie. Réfléchis. Vous savez où demeurent les Borosdin? Les Borosdin, ici? Qui désirez-vous voir? Je veux voir Fyodor Ivanovitch. Fyodor Ivanovitch? Oui. C'est que Fyodor Ivanovitch est absent. Au sujet de Boris. Quoi? De quel Boris s'agit-il? Non, je passais par là. Il faudrait que je voie Fyodor Ivanovitch. Ah. Asseyez-vous. Merci. Fyodor Ivanovitch ne va pas tarder. Dis, est-ce que je peux aller dehors? Oui, va. C'est à vous? Oui. Il vous ressemble. Vous êtes de la famille des Borosdin, vous? Non, du tout. Oui. La guerre est finie pour moi. Et vous rentrez chez vous? Non, pas question. À Leningrad, il y a le blocus. L'affaire n'est pas gay. Qu'est-ce que c'est? Oh, je peux vous mettre au courant, vous, puisque vous n'êtes pas dans le coup. Le fils Borosdin a été tué. Oui. Où ça s'est-il passé? Tout près de Smolensk. Quel air voulez-vous que je vous joue? Ce que vous voudrez. Ah, oui, vous étiez là quand on l'a enterré? Avait déjà emporté sur un brancard. Un de ses copains l'a vu, un certain Stéphane. 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 Maintenant, il faut que je retrouve aussi sa fiancée. Enfin, il l'aimait, celle-là. C'est moi. Une fois à Moscou,
Donne de tes nouvelles, Vladimir. Bien sûr, je vous le promets. Vous attendez toujours? Oui. On doit toujours s'attendre à quelque chose d'heureux. À quoi sert de vous abuser vous-même puisque j'ai vu exactement ce qui s'est passé? L'avez-vous vu? Qu'il était blessé? Qu'il est tombé? L'avez-vous vu mourir de vos propres yeux? Non, mais pourquoi n'auriez-vous reçu aucune nouvelle? Il y a des choses qui se passent. Tenez, Stéphane ne donne aucune nouvelle. Il reviendra bientôt. Tout le monde sait qu'il se trouve dans une unité spéciale. Yasha m'a promis qu'elle viendrait m'avertir. Boris est vivant. Il vit. Ceux qui aujourd'hui ne peuvent accueillir un être chéri. Et nous allons tout faire
afin que nos jeunes filles n'aient plus de chagrin et qu'elles gardent leurs fiancés, que toutes les mamans de la terre n'aient jamais à redouter pour la vie de leurs enfants, afin que tous les pères n'aient plus à ravaler leurs larmes en secret. Nous avons vaincu, nous sommes restés vivants, non pour la destruction, mais pour l'édification d'une vie nouvelle. Alors, qu'est-ce que tu attends, hein? Donne-les tes fleurs.